Salam alaikum, bonjour. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo concernera ce que j'utilise pour faire de la résine. Alors, dans un premier temps, quand je prépare mon matériel, je prévois toujours mes moules. Et je prévois aussi toujours ma résine pad. Donc la résine pad, qu'est-ce que c'est? Bonne question. Je vais vous montrer ce que c'est. Alors, voici ce que c'est une résine pad. C'est un tapis en silicone avec là des moules intégrés au tapis justement pour faire des créations. Vous avez le pendentif, les breloques plumes, les flèches et ici les boutons. Et il est assez grand, le tapis. Donc voilà. Et au niveau des moules, qu'est-ce que j'utilise? Vous me posez la question, hein, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer ce que j'utilise pour les moules. Alors, il y a des moules fimo que j'ai fait à la base, que c'était à la base pour faire de la fimo. Mais du coup, je l'utilise pour la résine. C'est celui-ci. Moule rose. Il y a ce moule-ci, c'est spécial pour la résine. Voilà, j'ai un petit rectangle. Après, il y a ce petit rond-là en pendentif. C'est le même que celui que je vous ai montré de la résine pad, mais lui, il est beaucoup plus épais. L'autre, il est beaucoup plus fin. Il y a un petit moule chat. Il y a un petit triangle. Et également, il y a un moule comme ceci, un moule nœud. Et bien évidemment, un moule cœur. Et aussi, ce que j'utilise pour mes créations, c'est des coquillages comme ceci, où je mets de la résine dedans avec des petites... des paillettes ou des étoiles ou des cannes fimo, tout ce que je peux inclure dedans. Il y a aussi celui-ci. Ça, c'est tiré, vous savez, des bonbons coquillages, là, voilà. Donc, du coup, je me disais, ça pourrait servir pour la résine. Et aussi, j'ai ça, un cœur comme ça que je peux inclure dedans. Voilà, déjà, pour les moules. Ensuite, pour ce qui est des décorations dans les moules, pour la résine, j'utilise ceci. J'avais trouvé ça l'autre fois en allant faire les magasins le jour où le lendemain où j'ai arrêté de travailler. Donc du coup j'ai acheté ça. Il me semble que ça vient de chez Action. Mais moi je les ai trouvés dans un magasin hors Action. Mais voilà, il me semble que ça vient de chez Action. Ensuite, il y a aussi dans cette boîte-ci des choses à laquelle j'utilise pour la résine. Donc, il y a les fleurs ici et les fleurs ici. C'est les mêmes que ceux que je viens de vous montrer. Ensuite, ici, voilà, j'utilise ça pour mélanger ma résine. J'utilise la résine qui est ici, c'est la GDO. La résine cristal. J'utilise ça pour touiller et après la cuillère pour verser. Ici, il y a des petites fleurs encore que j'utilise pour la résine. C'est des sequins en fait. Voilà, je vais vous montrer. Et il y a un peu de tout dedans. Il y a des petites fleurs, des verres à champagne, des petits anges. Mais moi, j'utilise plus particulièrement les petites fleurs, parce que c'est plus les petites fleurs qui m'intéressent que les verres à champagne et les petits anges. Donc voilà. Ensuite, ce que j'utilise d'autre pour décorer ma résine, c'est voilà, des cannes comme ceci.
les canne-cœur, voilà, comme ça. J'utilise ceci pour prendre les paillettes, par exemple les paillettes qui sont dans les pots, comme ça. J'ai encore des petits confettis comme ça pour inclure dans la résine que j'avais eu dans un échange. Mais ça, je ne sais pas où c'est qu'elle les a achetés, la personne qui nous avait envoyé. J'ai également des cannes fleurs comme ceci. Voilà, avec une fleur rose comme ça. Une fleur en plastique comme ça. Une autre comme celle-ci que je vous ai montrée tout à l'heure. Et des toutes petites fleurs que je vous ai montrées qui ressemblent à ça. Voilà. J'ai plusieurs couleurs de paillettes. Bon, j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai des bleus, des verts, des bleus, des rouges, des paillettes, des argentés. Et oui, et une verte. Mais les tubes comme ça sont assez difficiles à ouvrir. J'ai en tout deux rouges. Et également deux bleus. Et je sais qu'à Action, ils vendent pas mal de paillettes à couleur. Donc quand j'aurai l'occasion d'aller aux Actions de Arles ou de Istres, j'irai voir. Ensuite, j'ai des petites étoiles. Comme ceci. J'ai deux boîtes avec des étoiles. Trois boîtes avec des étoiles. Voilà, j'ai deux avec cette dimension qui viennent de chez Maison du Monde. Voilà. J'ai de cette dimension également. Et celles-ci, qui sont beaucoup plus grosses. Et ensuite, j'ai des petits confettis comme ça, rouges. Voilà, pour l'instant, je n'ai que ça concernant la résine. Après, il faut que j'achète tout ce qui est coloration résine. Et aussi, j'ai oublié, je vais vous montrer ce que j'ai d'autre pour la résine. J'ai également oublié. Alors, voilà. J'ai également des breloques exprès pour la résine que j'avais gagnée sur Instagram. Là, vous avez un bonhomme de neige. Vous avez une licorne. Ici, il y a le Père Noël. Et ici, il y a une autre licorne avec la baguette magique. Voilà, pour l'instant, je n'ai que ça. Et je compte en racheter d'autres, des breloques comme ça. Je sais qu'il y en a sur Créactivité et sur Créafirme, il me semble. Donc, au pire des cas, je les commanderai là-dessus. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma chaîne YouTube sur vos réseaux sociaux avec le partage de la vidéo, s'il vous plaît. Et je vous embrasse à tous et à toutes. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!